Eh bien, salut à tous, c'est Crazy Wolf, et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rainbow Six Siege. Et aujourd'hui, les gens, on va parler de tous les leaks qui ont été diffusés au cours de ces 3 derniers jours, donc concernant le DLC White Noise, dont on a eu le nom seulement aujourd'hui, donc le jeudi 2 novembre. Donc, dans ce DLC, tout d'abord, on va avoir déjà 3 agents. Ces 3 agents seront donc 2 agents, 2 coréens. Un agent polonais dont on ne connaît pas encore le nom et ni la capacité, pareil pour les 2 agents coréens, mais ce que l'on peut déjà savoir, des informations très importantes, c'est que l'agent polonais sera une fille déjà de base et sera certainement, pour moi c'est quasiment sûr, sera la sœur d'Ella, d'Ella Bozak, donc l'agent polonais qu'on a eu en défense, et ce sera déjà sa sœur aînée, donc. Ella était la sœur cadette, et toujours d'ailleurs, et du coup, cet agent serait eh bien, la sœur aînée d'Ella. Donc voilà, ça c'était une information très importante que je voulais vous dire, j'en suis quasiment sûr. Et aussi, on a eu des leaks concernant la tête de l'agent coréen. Donc ce serait une coréenne un peu en forme d'hipster, elle aurait un bonnet avec des lunettes un peu comme Harry Potter. Et du coup, on connaît toujours pas sa capacité, mais on a déjà vu son visage. Aussi, je voulais parler justement de la map. Donc, on a eu plusieurs informations aujourd'hui, justement. Donc, déjà par rapport au nom, comme je le disais, mais on a eu aussi des informations concernant la map. Donc, la map sera sur une base d'observation à Séoul. Donc, ce serait une sorte de tour hyper grande. Donc, ce serait du coup une map qui se jouerait en vertical et pas un peu à l'horizontale comme les maps d'habitude. Donc, ce sera vraiment vraiment intéressant de voir ça. Je pense que ça va vraiment être cool déjà pour changer parce que on n'a pas l'habitude de ça. Et je voulais revenir par rapport aux informations qu'on avait eues par rapport à l'image du dragon. Donc le dragon, c'était le premier leak qu'on avait eu sur les réseaux sociaux. Et tout simplement, ce dragon avait un texte écrit en dessous, je crois. Donc ce texte était tout simplement signifié ne regarde pas en bas. Donc ne regarde pas en bas, tout d'abord, c'est en rapport avec la map du coup. Donc qui est une tour et du coup regarde pas en bas si t'as le vertige, voilà, tu tombes, tu meurs. Et du coup, tout simplement, on pouvait voir derrière des sortes d'ondes, un peu comme mute. Donc je pense qu'il y aura un rapport avec le bruit, comme le nom de l'opération, White Noise, donc le bruit blanc. Je pense que l'agent coréen aura une capacité en rapport avec le bruit, donc soit capter les bruits pour la défense ou capter les bruits en attaque pour chasser le roamer. Donc on verra ça de toute façon. Donc juste pour rappel, les finales de la Pro League se situent auront lieu le 17 et 18 novembre à São Paulo, donc au Brésil. Donc soyez nombreux à aller regarder, ça ferait super plaisir parce qu'il y aura déjà tout d'abord plein d'informations. Du coup, je pense qu'on aura des leaks, des petits teasers légèrement avant. Et forcément, on aura du gameplay. Et du coup, selon moi, j'avais vu ça sur une vidéo d'un Américain qui s'appelle Coreros. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Selon lui, le DLC sortirait le 21 novembre. Donc soit ce sera pour le TTS peut-être, je n'en ai aucune idée vu qu'ils avaient fait ça pour Blood Orchid, soit le 28 du coup pour toutes les plateformes. Donc voilà les gens, c'était tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que la vidéo information vous aura plu. Donc pour ce qui est du gameplay, c'était une manche que j'avais fait sur Bank avec Bandit où j'avais fait une moins 3 assez propre. Donc vous allez voir ça. Et du coup voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à partager vos idées d'agents, de capacités, ou même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, de toute façon je vous écoute tous. Et du coup voilà les gens, donc n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et surtout à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et donc je vous dis à la prochaine les gens. Allez, salut!